sociologie, une tachanologie, une bonnette, allez. Alors, sur le tableau original, déjà, bon, pour ceux qui, pour les initiés, hein, ceux qui connaissent mes lives depuis 6-7 ans, on connaît la symbolique, etc. Moi, je l'ai appris des Américains des années 2000, et je vous la recrache. Et en même temps, je rajoute mon grain à moi, personnel, de ma pensée personnelle. Dans le tableau normal, hein, quand tu le vois normal, tu tapes la photo du tableau. Le roi Charles est là, un papillon d'ailleurs, progressiste, un peu, voilà, un peu destroy. Il a déjà un papillon sur l'épaule dans le tableau normal. Donc MK Ultra déjà la base. Le monarque butterfly. Le monarque butterfly. Vous tapez en anglais Google, hein, comme toujours. Vous tapez mes phrases comme je disais avant maladroitement. Tu tapes ce que je te raconte. Allez lire mon livre. Là, on le voit vraiment, on voit vraiment la tête avec les oreilles, museau de singe, voilà, une espèce de chimère satanique et démoniaque. Et là, on voit la tête d'en bas. Il y a deux têtes. Vous voyez, il y a une tête en haut et là, c'est la tête d'en bas. Là, on voit une espèce d'orang-outan ou un homme barbu. Enfin, voilà. Regardez là maintenant, on va vraiment regarder plus en haut. Vous voyez les oreilles sur les côtés et vous voyez la tête un peu grenouillesque ou babouinesque ou chimpanzé. Et là, je vous présente Omar Sy, les amis. Je vous présente Omar Sy dans son prochain rôle. Le masque diabolique. Et là, vous voyez mal à cause de l'écran. Mais il y a cette tête-là en général, et il y a aussi une petite tête-là aussi. Il y a Jamel. Il y a Jamel, le petit djinn, une espèce de masque africain, là, de djinn, là. Ah, il a besoin d'un psy, Omar Psy, on peut l'appeler, c'est vrai, c'est pas mal celle-là. Et là, on en voit encore une autre. C'est pas mal celle-là. Pourquoi y a-t-il ça? Pourquoi ce tableau qui paraît si bordélique, là, on voit exactement quelque chose de symétrique? Alors là, les amis, vous voyez tout. Dernier filtre que j'ai appliqué. Là, vous voyez vraiment vous voyez la forme. Une petite paf, c'est le hasard, etc. Parce que là, vous le voyez. Vous voyez Satan assis sur son trône. Ah, attendez, je vais remettre. Quand on le remet à l'endroit, même à l'endroit, on voit une tête. Même à l'endroit, les amis, on voit une tête. Même à l'endroit, tu mets les deux tableaux côte à côte, tu vois une tête. Tu n'as pas besoin de le retourner, en fait. On dirait une échographie de Sigourney Weaver dans Alien. Ouais, c'est ça, on dirait une espèce d'alien démon. Le reflet de miroir était utilisé par les alchimistes et Da Vinci pour codifier. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est comme la musique en auto-reverse, qui se rappelle de ma vidéo de la musique de Camura, sa première là. Quand tu la mettais à l'envers, ça faisait Parle à Satan. Ah, depuis la J'avais mis cette vidéo avec. J'avais mis cette vidéo couplée avec la vidéo de Stromae quand il passe dans le journal de TF1, qu'il a pété un câble, qu'il a gonflé de la tête et qu'il fait des signes sataniques. Qui ferme les yeux, qui parle de Dajjal, qui fait que des. Bon, j'avais fait cette vidéo, ceux qui s'en souviennent. Bon, je sais qu'il y en a qui viennent de me rejoindre, mais j'ai fait tellement de vidéos, j'ai dû faire 10 000 vidéos. Je suis celui qui a fait le plus de contenu sur YouTube. Et ça me de cette vidéo, on avait mis en reverse, j'avais mis en reverse, en mode auto-reverse, la musique de. Comment ça s'appelle ça, la caméra, et ça donnait. Dja Dja à l'envers, par la Satan, par la Satan, à 2000 MHz. D'ailleurs, je l'ai sur ce téléphone, tu con. Je l'ai même sur ce téléphone, il faudrait que je la cherche. Elle est dans les milliers de vidéos dans ce téléphone. Tout ça pour vous dire, les amis, que. Pourquoi je vous dis ça? C'est. À la limite, les amis, ça, à la limite, je m'en fous un peu. Ça, je m'en fous un peu. Mais moi, il y a autre chose que je voulais vous parler. Ça, à la limite, je m'en fous un peu, les amis. Moi, ce dont je veux vous faire parler, c'est de ça. Et là, les amis, on n'est plus dans une symbolique de tableau, les amis. Là,
on n'est plus dans une symbolique de tableau. Et regardez le grand art, le balzacien, le rimbaldien Djeslem. Je retombe sur mes pattes en parlant aussi bien de ces salles tapes banques françaises de la diversité, en allant au roi Charles par le tableau, et en glissant par association d'idées à Jimmy Savile, qui était l'ami du roi Charles. Et Jimmy Savile était un comique anglais. Et on retombe sur nos comiques français sans Clawy, qui ont attendu 9 mois pour mettre une banane sur un costume, un pince en banane ou en poivron rouge et vert, sur un costume à Cannes. Tellement on vit sous Pinochet et la tortue. Jeslem vous propose des contenus à 10 000 euros la séance, les amis, normalement. Il ne devrait pas être là gratuitement. 36 euros depuis 7 ans sur... J'ai cumulé 36 dollars que j'ai même pas retiré d'ailleurs. Ils me doivent 136 dollars avec l'autre chaîne qu'ils ont fermé. Donc en 7 ans sur cette chaîne, apparemment, d'après mon YouTube Analytics, que je vous montrerai en direct si vous voulez. Hein. J'irai ce soir. Ce soir, je suis chaud. Est-ce que je l'ai le truc ? Ah non, c'est pas sur ce téléphone. Non. Je l'ai pas sur ce téléphone. C'est dommage. Attendez, je vais chercher comme ça. S'il est là, j'ai de la chance. Ah, mais ce téléphone, non, c'est pas le. Il est pas à moi celui-là, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Si je peux. Attendez là. Ah, merci. Attendez, les amis, je regarde mon historique. Il doit y en avoir un là. Comment je rentre? Ah, l'historique, elle était longue ici, hein. Ah. On arrive à garder en direct. Ce téléphone, il met un peu de temps. C'est la statistique. Ah non, c'est la première chaîne. Attendez une seconde, hein. Comment tu fais déjà? ありがとうございました。 話すことなんてねえぞ。On est dessus. Ah dommage, j'ai pas mis en mode noir. J'aurais dû mettre en mode noir comme dans l'autre téléphone. Attendez les amis, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ah, il marque plus le truc. Bon bref, ça rame trop. Allez, c'est pas grave, ça rame trop, j'arrive pas.
Vos efforts ont porté leurs fruits. Vous avez mis davantage de vidéos et vous avez enregistré 323% de vues en plus que d'habitude. Bravo! Alors je vais mettre maintenant, je vais mettre depuis toujours. Donc j'ai commencé le 10 janvier 2016 et on est le 22 mai 2024. Et j'ai récolté, grâce à vous, et j'ai récolté 36,96. Merci Kamel, merci Rachid, merci mes 45 millions de vues en 7 ans, après des efforts acharnés. J'ai récolté 36, en plus un nombre vraiment satanique, 36,96, depuis, toujours. Il est où? Voilà, depuis toujours. Et ça c'est ma chaîne, hein. Regardez, il y a combien de vues? 3 millions de vues pour le moment. 745 000 heures de visionnage. Elle n'a pas un million de visionnages seul. 3 millions de vues enregistrées, 11 000 abonnés et revenus estimés de Squeezie. Revenu estimé de Norman, 36,96 $, qui m'ont pas payé, hein, parce qu'apparemment j'ai pas de compte AdSense ou je sais pas quoi. Donc je demande, au bout de 7 ans, voire plus, 2016, je demande au bout de 10 ans de YouTube, que soient maudits ceux qui ne participent pas à JSLAM. Allez, j'arrête. Bon. Bref, c'était ma chaîne, les amis, on est en direct, regardez, hein, je vais mettre, voilà, on a 11 500 en temps réel, voilà, temps réel, maintenant je vais mettre depuis les 28 derniers jours, ça va arriver aux 28 derniers jours, les amis, vous inquiétez pas. Voilà, là ça a changé, en un mois j'ai fait 160 000 vues sur cette chaîne, la première j'en ai fait plus 500 000. On est toujours à 323% de plus. Et là, revenu estimé, néant. Là, les 28 derniers jours, c'est néant. Bah, depuis 7 ans, c'est néant. Mais j'ai quand même récolté 36,96 depuis 2016. Hein. Pas mal. Allez, on arrête avec ça, les amis. Hop. C'était la minute technique. Enlève ça. On en était là. Oui, espace insuffisant. Si je compte avec la censure, entre ma première chaîne où j'ai dû faire 10 millions de vues, celle-là où j'ai dû faire 3 millions de vues, ça fait 15 millions de vues presque, plus la troisième qui m'ont enlevé qui était elle aussi à 10 millions, j'ai dû faire une trentaine de millions de vues pour 36,96 €. J'ai donc fait 36 millions de vues officiellement d'après YouTube, hein, avec toutes les vidéos qui m'ont enlevé, les avertissements, je ne parle pas du... J'ai fait 36,96 € pour 36 millions de vues à YouTube. Si quelqu'un a une calculette, vous me faites la division, 36 millions de vues divisé par 36,96 $, et vous trouverez, grâce à votre générosité, mon revenu. On revient, les amis, comme je vous ai dit que j'étais un artiste, l'empereur des artistes de ce pays. On a commencé avec nos saltimpes banques, 8 mois qu'ils n'ont pas parlé. Je vous ai changé complètement de sujet avec le tableau du roi Charles, mais le roi Charles, nonobstant. Alors, on va pas aller loin avec ça, hein, c'est clair. Bah, tu sais, en Amérique, ils sont participatifs, en France, dès que tu demandes, ou moi je m'énerve, oh, ils demandent à la libre, 36. Tu mérites 36 $, et puis c'est tout, hein. Monsieur, c'est comme ça. Et donc,
On a commencé par les saltimbanques français. Je faisais changer de avec le roi Charles et le tableau. C'était en haut du terrain, on était encore dans l'artistique. Le roi Charles, tac, Jimmy Savile, il est là. C'est le pote à roi Charles. On va voir quelques photos de Jimmy Savile et ensuite on va développer sur ce qui s'est passé. Ouais, je vais vendre des t-shirts, je crois. Je vais faire les t-shirts. Si j'ai pas 100 ventes, j'efface toutes mes chaînes. Regardez déjà la tête. Si c'est un saltimbanque anglais, hein, les amis. Hein, anglais. Voilà. Et en fait, la pirouette que je faisais, c'est que j'ai commencé à parler des comics français. On est allé dans le tableau du roi Charles, ça avait rien à voir, c'était même satanique. Et on a refait une pirouette sur les comics anglais. Donc le pays juste en face. L'Angleterre. Regardez. Ça, c'est Jimmy Savile. J'avais des meilleures photos, c'est dommage que... Ah, elles sont là. Ah, c'est Jimmy Savile à la fin de sa vie. Sonna toki, kuni o tadashita kinen toshite, gun kara shuppan saretano ga kono hon deshita. Même sur TikTok, en 6 mois, j'ai récolté plus qu'en 7 ans de YouTube. Même sur TikTok, les petits cadeaux, voilà, j'ai récolté plus que sur YouTube en 7 ans. Mais bon. On revient. Regardez Jimmy Savile, le pote. Le pote. Allez, où c'est là ? Le pote au roi Charles. Jimmy Savile, les amis, il a animé des émissions anglaises pendant, je crois, 35 ou 40 ans. Il a fait le top 50. Il a fait les comics. Il a fait des émissions dans la BBC, la plus grosse chaîne anglaise. Broadcast Channel, British Broadcast Channel. Plus grosse chaîne anglaise. Le mec, il connaît la famille royale depuis les années 60. Lui-même, c'est un bourgeois des collèges royaux, etc. Il joue au cricket, au waterpolo, etc. Il a grandi là-dedans, lui aussi. J'ai vu un reportage de lui sur Rumble. Il est toujours en mode schlag. Il a une petite maison dans la campagne. Il parle avec un journaliste de la BBC. On n'a pas encore découvert que c'est un sataniste, que c'est un pédocriminel. Rentrons dans le sujet, les amis. C'est un pédocriminel notoire. Cet individu comique comme nos troubadours français était un sataniste qui allait dans les hôpitaux pour faire des agressions en dessous de la ceinture à des filles handicapées. À des enfants handicapés, hommes et garçons et filles, parce que ces gens-là, ils ont plus de limites. Il était toujours en mission dans les hôpitaux parce qu'il pouvait trouver des cadavres, parce qu'apparemment, il aimait aussi les trucs de cadavres, apparemment. Et les enfants et les handicapés. Voilà qui était l'animateur star de la télé anglaise. Si tu parles à une personne de plus de 35 ans, il connaît Jimmy Savile. Ah, il est mort, ça. Il est mort il y a quelques temps, je crois, je sais plus. Ce mec-là, c'était le Jean-Pierre Foucault, le Drucker de la télé anglaise. C'était mis dans quel monde on vit, les amis ? Alors nous, quand on parle, on a les gens de la télé comme Ragnar qui veulent nous faire passer pour des perchés, des hurluberlus, etc. Et d'autres, hein, y a pas que lui, hein, mais tous. Tous ceux qui passent à la télé, dès qu'ils reçoivent des critiques, oui, mais eux, ils sont aussi des obscurantistes dans leur chambre, ils n'ont pas de vie, ils sont là à nous critiquer. Non, non, non. On dit la vérité, mais tu as du mal à l'accepter. C'est pour ça que tu es tendu quand tu es sur le plateau et que tu parles de ça. Et que tu veux te défendre. Là, vous êtes tendu, vous êtes nerveux, vous êtes. Voilà, Sam, il connaît ça. La nécro. C'était un nécro, je sais pas quoi, et en même temps un pédocriminel.
il faisait aussi de la nécromancie. Voilà, ça s'appelle la nécromancie. C'est dans le reportage sur Rumble, pour ceux qui veulent aller le voir. Il y a le reportage sur cet individu en relation. C'est le reportage avec la famille royale. C'est un reportage spécial, les amis. Il faut attendre qu'il meure. Salut Christelle. Oui, Adèle, je m'en souviens, ma grand-mère regardait cette série. Il faut attendre qu'il meure pour qu'on sache. C'est comme ça que ça se passe en France. C'est quand ces gens-là, ils sont plus là, qu'on dit « Ah, Gainsbourg, on veut pas une station de métro. » Même moi, j'ai connu Gainsbourg toute ma vie. On m'a jamais dit que c'était un pédo, machin. Et quand il est mort, tout le monde, apparemment, il y a une grosse rumeur. Ils voulaient même pas donner le nom d'une station de métro à Gainsbourg, tellement il y avait des comités qui savaient ce qui s'était passé avec Gainsbourg, notamment son clip avec sa fille en petite culotte baissée très bas. Enfin bon, ouais. Donc, salut Ariégeois, ça fait longtemps, tiens. Comme le Square Neck, voilà. Voilà, Ariégeois. Comme quand je me suis égosillé sur le Square Neck, il n'y a pas longtemps, j'ai masqué mes lives, mais on avait parlé de le Square Neck, 350 viols sur des filles, etc. Aucun problème avec l'ordre des médecins. Alors qu'un médecin, moi j'ai connu un médecin juif qui allait aider des gens pendant le Covid, et ben ils lui ont fait des problèmes. Enfin bref, j'irai pas plus loin, mais ils lui ont fait des problèmes, ils veulent plus qu'il exerce, etc. Bref. Voilà. Donc faut attendre qu'il meure. Comme dit Direct Révolution, faut attendre qu'il meure pour qu'on sache ce qui se passe. Bon, ça bug un peu, les amis. Ah bah tiens, ça a bugué dans le bon sens, c'est tombé sur le commentaire de ADN. J'en suis sûr qu'il doit dire encore un truc loufoque. Je vais mettre le commentaire de Direct Révolution sur « Faut attendre qu'il meure ». Effectivement, c'est le grand classique, faut qu'on attende qu'il meure pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Bref. Lemon Ancest, exactement, Bouka Puget. T'as tout compris, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. La petite Charlotte, elle est sur une croix de David, d'ailleurs. Quand il remonte ta caméra, tu vois une croix de David. Le clip, il est très sombre, dans un décor non naturel. C'est tout noir, avec des rochers. Cérémonie rituelle, et la petite, elle est allongée sur une croix de David, avec des triangles en bas et des triangles en haut. Pyramide, etc. Bref. Tout ça en escalier, enfin, c'est très, 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 très. C'est très, très, très ésotérique et occultiste, les amis. Et donc, les amis, pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'on a des articles. Saville accused of molesting dead people. En anglais, pour les Français qui ne parlent pas anglais, Saville accused of molesting dead peoples. En français, pour mes 90 millions de Français qui ne parlent pas anglais, Jimmy Saville est accusé d'avoir molesté, je n'ai pas le mot exact, hein, mais normalement c'est 130 euros la ligne de traduction, je vous le fais gratuit depuis 8 ans pour 36,96 $, on dirait Pierre Belmar là, pour 36,96 $, j'ai animé vos putains de soirées pendant 7 ans. Pour 36 $, pas un de plus. Vous avez le robot mixeur, l'aspirateur, l'injecteur et le tout avec frais de port envoyé. Pour 36,96 $, c'est donné. Le tout envoyé avec un Philippin, un Indonésien et un petit Indien. Alors, les amis, dans le journal Metro, un journal connu en Angleterre, Saville est accusé de molester des morts. J'ai un autre article, j'ai la vidéo, hein, j'ai la vidéo, voilà, on le voit. Ah bah tiens, là on le voit avec le roi en train de rigoler, c'est des amis, ils sont en kilt, en plus ils sont en kilt. Avec le roi en train de rigoler, ok. Bon, un t-shirt, je vais faire mes t-shirts de Charles là.
a parlé ce matin, ça fait un mois qu'il voulait. Faut que je fasse quelque chose. Tristano, il est mort de rire. Pour 36,95. Vous avez rigolé. Pour certains, jusqu'à des barres de rire à l'époque où j'étais déchaîné face caméra en plus, face caméra. Face caméra, demandez à ADN, demandez au plus ancien El Morales, à Slington, si. Ah, et je vois, ouais, je sais plus qui est là depuis longtemps, depuis 2017. Face caméra, 1000 personnes, 36,96. Je défie quiconque a fait pareil que moi. 36 millions de vues, 36,96, le tour emballé, pesé, envoyé avec un petit indien. Bon, on revient. Qu'est-ce qui m'arrive là? Hier, je vous ai fait le Tanak. Y a personne qui débriefe mes improvisations. Y a personne qui débriefe mes sketchs une fois meilleurs que nous.